Alors Angélique, raconte-moi comment t'es venue l'envie de devenir make-up artiste. Donc j'ai grandi un peu dans la beauté, j'étais fascinée par tout ça. Ça m'a menée à une école d'esthétique cosmétique. J'ai beaucoup voyagé, je voyais beaucoup de choses, différents photographes, je maquillais beaucoup de célébrités. On passe d'une femme en fait où on est au service de sa beauté et de l'autre côté on a des mannequins pour les magazines où elles sont toutes belles, toutes jeunes, toutes fraîches. Et j'ai vraiment constaté que ces jeunes filles avaient la peau vraiment malmenée. C'était très difficile de trouver un produit qui puisse aller sur toutes les filles sans risque de créer des allergies. Alors je me suis mise à la recherche vraiment d'un produit très spécifique avec une grande expertise pour continuer le soin, pour les traiter en fait. Alors Angélique, pourquoi la colline? Je connaissais déjà la marque. J'ai eu l'occasion de travailler pour la colline en 2011 sur des événements d'after make-up. Et je dois dire que le résultat était remarquable et l'éclat était là, au rendez-vous, instantanément. Alors notre rencontre s'est rapidement transformée en une véritable collaboration et cela nous a permis de développer et de lancer la première ligne de soins de teint éco-régénérant, Native Age Le Teint. Voici Native Age Le Teint Fluide. Moi je mets comme ça deux pressions pour l'ensemble du visage, du cou et du décolleté. On dit qu'on voit l'âme dans le regard des femmes, mais alors dans la peau, c'est carrément l'enveloppe de toute cette beauté. Il faut vraiment en prendre soin. Nous, chez La Colline, on aime se définir comme des artisans du soin. Nous voulons proposer une véritable expertise de la peau. Alors je pense que c'est aussi cet engagement qui t'a plu, Angélique, chez nous. Et c'est cette justement résonance sociétale qui touche également tous les gens qui participent et qui créent ce projet, mais aussi toutes nos utilisatrices qui finalement veulent aussi acheter des produits qui aient du sens pour elles.